Je m'absente, la beauté de cette planète finit par me manquer. Oh bien, bonjour, docteur Robotnik. Vous avez fait un bon voyage? Bien, ferme la fouine. Cette tête a-t-elle encore besoin d'un petit réglage? A-t-on des nouvelles de ce hérisson de malheur? Pas vraiment, docteur Robotnik. Que veux-tu dire par pas vraiment? On a des nouvelles ou on n'en a pas? Eh bien, vous voyez, Oh, signal d'alerte, docteur Robotnik, moniteur numéro 10. Bien, ne serait-ce pas l'un de ces abominables combattants de la liberté? Affirmatif, docteur. Il s'appelle Tel, et se dit qu'il est très souvent en sa compagnie. Qu'on l'attrape! Et il est possible que ses cris permettent de débusquer ce maudit hérisson. Princesse Sally va adorer ces fleurs, ce que je suis impatiente de lui offrir. Oh, attends, Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça non plus. Non. Oh, mais... Tu es prêt, Rotor? Je suis prêt. Hé, Sally, ne prends pas tes sphères la boule. Avec moi, je te le dis. T'as des quoi? Et tout baigne. Comment tu trouves mon entrée? T'as vu comme j'arrive? Super atterrissage, un accord à l'Axel Rose et une pause suivie d'une frappe sur le tempo, hein? Oh, ça ne plaira pas, Sally. C'est beaucoup trop hard rock. Il faut quelque chose de plus doux. Plus doux? Qu'est-ce que tu me fais? T'es fou! J'ai horreur des chansons douces. La douceur, c'est bon pour ceux qui aiment les glaces à la vanille. La musique, il faut que ça bouge. Il faut que ça chauffe à blanc. Que ça te décoiffe, il faut... Une balade. Balade? T'es malade? Non, pas question. Les balades me provoquent des nausées. Oh non, ne te laisse pas influencer. Mais t'avais pas dit que Tails cueillait des fleurs? Et c'est ce qu'il faisait il y a à peine 2 minutes. Cette ridicule petite créature est à nous, Clock. Ouais. Ça a marché. Regarde-moi la hérisson. Bon gardien, le hérisson est derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Fais demi-tour, bon sang. Tire sur Sonic, descends-le. Mais descends-le. Accroche-toi, Ted. Je vais déclencher le turbo à vitesse grand V. Sonic, par ici. Voici le bulletin d'information, c'est Robotnik. Écoute-moi bien, crapule. Tu es dans les choux, grillé, fichu. Je me charge de toi. Les combattants de la liberté sont prêts à t'écraser. Et nous sommes là. Bonjour, maman. Patience. Écoute-moi bien, mon petit hérisson. Avant que le soleil n'ait atteint l'horizon, toi et le survoltano serez bien serrés dans mon poing, prêts à vous écraser. Oh, faut-il qu'on commence à avoir peur? Non, pas question, non. On met le turbo. Allez, on se réveille, les petits loups. Nous sommes arrivés à destination.
Ouh là là, on a été à une de ces vitesses. Ça, ce n'était qu'une balade pépère, petit frère. Une balade pépère, tu veux rire, Sonic? Oui, c'était rien qu'une petite promenade tranquille. Je peux monter avec toi, Sonic? Tu veux monter avec moi? Oh oui, oui, oui. Désolé, mon pote, c'est impossible. Non, je rigole. Attention, je mets le turbo. Excusez-moi pour le dérangement. Pas de lézard, ça baigne. C'est excellent, Marilyn. Bon, et maintenant, nous allons essayer celui-ci. Ah, vraiment, Antoine? Je me demande bien ce que je deviendrais si tu n'étais pas là pour m'aider, mon chou. Non, ce n'est rien, je t'assure. Cause toujours. Sally, as-tu trouvé pourquoi ces catapultes de malheur n'arrêtent pas de se casser? J'y travaille encore, Marilyn. Entrée dans la banque de données, variable, catapulte. Charge complémentaire minimum autorisée, 500 kilos, et commencer la modification. Non, oh, tu es un ravissement pour le regard quand tu travailles, princesse Sally. Antoine, ne m'appelle pas princesse. Ici, la seule et unique souveraine, c'est Mère Nature. Oh. Pour moi, tu ne cesseras jamais d'être princesse. C'est ça. Ah ah, les goupilles, elles sont en bois. Et donc, quand nous augmentons la charge utile, elles cassent. Et il faut que ce soit en métal. Ah, voilà Sonic. Oh, j'avais bien reconnu cette odeur nauséabonde. Toine, tu es devenu vert des pieds à la tête. Je te trouve plutôt mieux en vert. Tu devrais rester comme ça. Salut, Sally. Quelque chose qui cloche? Tu avais dit que tu m'aiderais. T'as oublié ce que j'ai fait hier? Et tu as fait quoi hier? Je ne t'ai pas aidé hier. Non. Non. Tiens, il y a un écho. Alors c'était sûrement avant-hier. Sonic, est-ce que tu vas nous aider? Sans doute, bien sûr, tout de suite. Merci beaucoup. J'ai été conçu pour la vitesse et je suis né pour affronter tous les dangers. Vitesse est mon pseudonyme et le danger est mon jeu favori. Je t'assure qu'ici on ne joue pas, Sonic. Nous avons besoin de goupilles en métal pour les catapultes. Des goupilles? C'est quoi des goupilles? Hein, quoi? J'en étais sûr. Une goupille? Allez, bouge-toi, Rotor. On va faire le coup de l'anneau. Oh. Oh. Tu crois que c'est l'heure? Oh, ça ne serait plus tardé maintenant. Ça y est, le voilà. Regarde ce fil, je le tiens. C'est tonton Jules qui les a inventés pour ma pomme, pour combattre les Robotniks et consorts. Quoi, si tu savais comme je déteste ce méchant Robotnik? Ouais. Nous aussi, Taze. Ouais. Tu l'as trouvé? Ouais. Rapporte-en 6 comme ça, mais il faut qu'elle soit en métal. Ne t'inquiète pas. Pas de lézard, Sonic. Tout va baigner. Il est plus dur que je croyais. Taze, qu'est-ce que tu fais là? Je vais habiter en ville. Je suis bien content pour toi, petit frère. Mais attention, faudra faire gaffe aux mauvais coups. Comment ça? Parce que la ville est littéralement infestée de toutes sortes de cerbères. Et rien ne leur échappe. Ils sont partout. Ils attendent que tu passes à leur portée pour te robotiser ou te détruire. Tu crois qu'ils feront ça? Puisque je te le dis. Très bien, mais c'est un sacré bout de chemin jusqu'à Unisson. Et si un des bombardiers de Robotnik me repère et décide de m'avaler tout cru, je te parie que tu te diras que c'est ta faute. D'accord, tu peux y aller. Mais écoute bien, tu te planques dans mon sac à dos et tu gardes mon survoltano, pigé. Est-ce qu'il fera nuit noire quand nous arriverons à la ville? T'as-tu compris? Accroche-toi, je vais mettre le turbo. Yeah!
brûle les rondeurs au rapport. C'est un zèle, rien à signaler. L'endroit est complètement infesté de cerbères, Tails. On est dans une vraie galère, et je plaisante pas. Et Sandy, comment ça se fait que ça soit mauvais par ici? Parce que les usines de Robotnik déversent des tonnes de détritus dans le ciel tous les jours. À tes souhaits. Alors, ça roule, Tails? Oh, regarde, j'ai les goupilles. Qui c'est? Avant, c'était des gens comme toi et moi. Et puis Robotnik les a fait passer dans sa machine diabolique. Et ils sont devenus des robots qui travaillent dans son usine à détritus. C'est là que tonton Jules? Je l'ai pas vu. Je peux voir la photo de tonton Jules? Est-ce qu'il te manque, tonton Jules? Ouais, beaucoup. Medovski aussi. Ça, c'est un chien méchant de la pyramide. Mais c'est Medovski! Non, il a l'air trop méchant. Parce que c'est un robot, mais il ne te fera pas de mal. Je suis son meilleur pote. Medovski, par ici, mon chien. Hé, c'est moi, Sonic! Medovski, c'est comme ça que tu me remercies après toutes les années que nous avons passées tous les deux? Oh, le méchant garçon, assieds-toi, reste où tu es et surtout ne mords pas, compris? Tu vois, Tails, tout est sous contrôle, il n'y a rien à craindre quand le chien sait qui est le patron. Hé, hey, Medovski, est-ce que tu as revu tonton Jules? Ah, ne t'inquiète pas, un de ces jours on le retrouvera. Tu sais ce que je vais faire, Medovski? Te transformer de nouveau en vrai chien. Tu te souviens? Ranger la moquette, courir derrière les voitures, aller boire dans les toilettes, tout ce que doit faire un chien digne de ce nom. Mais comment tu vas faire? En le faisant repasser à l'envers dans la machine de Robotnik. Oh, Medovski! Oh, le mauvais chien, Medovski! Tu es un très mauvais chien! Tu étais supposé être le meilleur ami des hérissons! Ça va! Je vois où tu veux en venir, Medovski! Mais fais gaffe, vieux! Parce qu'un jour, on sera de nouveau ensemble! Allez, maniez-vous les ravageois, maniez-vous! Accroche-toi à tes bretelles! Tails, tu tiens un choc? Oui. Oh, j'ai mal au cœur. Dans une conduite d'aération, mais ne t'inquiète pas, avec mon regard de lynx, j'y vois comme une chouette. Ce soir, je vais vous révéler mon plan de bataille le plus fabuleux à ce jour, qui vous permettra enfin d'éliminer cette maudite vermine de hérisson et tous les autres soi-disant combattants de la liberté. Et c'est moi qui posséderai le survoltano. Mon plan est simple et génial. Sonny, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Je t'assure, c'est vrai, hein, je ne tiendrai pas. À l'intérieur de ces containers se trouve un produit chimique de mon invention que mes abeilles bombardières, sous le commandement de la fouine, iront répandre sur la grande forêt. Et tous les arbres mourront instantanément, découvrant ainsi la cachette secrète des combattants de la liberté. Le village de Unisson et mes cerbères n'auront plus aucun mal à capturer la princesse Ali. Et si jamais cet abominable hérisson montre le bout de son museau, je lui réserve une petite surprise. Le missile chercheur de hérisson déclenche le compte à rebours. Ah, ah.
Oh, très gentil à vous d'être passé, très cher Hérisson. Aurait-on manqué le dîner? Nous avons dû rater l'heure du dîner. L'heure du dîner, mon cher petit hérisson. Ta carrière de combattant de la liberté tira sa fin. C'est à moi que ce discours s'adresse. Eh bien entendu. Je crois que vous faites erreur. J'ai encore beaucoup trop de travail. Écoutez, j'aimerais rester avec vous pour faire la causette, Robotnik. Mais c'est l'heure de mettre le surmonde. Attrapez-le! Attrapez-moi, ce hérisson! On va voir comment tu t'en tireras cette fois, hérisson! Tel, c'est le moment d'utiliser le survoltano! Le survoltano! Accroche-toi, Tel! On va passer la surmultipliée! Tu as eu de la chance cette fois, maudit hérisson. Mais la nuit est encore longue. Est-ce que ça baigne ou est-ce que ça roule, Sonny? Ça roule et ça baigne. Non seulement Sonic ne vient pas nous donner un coup de main, mais en plus je suis inquiète pour lui et ce pauvre Tails. Je suis sûre qu'il ne risque rien, Sally. Tu crois que Sonic fait toutes ces gamineries rien que pour nous embêter? Oh, Sally, mon chou, c'est Sonic qui a poussé tout. C'est ce qui contribue à faire toute la différence. Sonic! En ce moment même, les abeilles se dirigent vers nous. Elles sont chargées d'un produit chimique que Robotnik a inventé et qui va tuer tous les arbres de la forêt et découvrir notre cachette. Nous n'avons pas le choix. Il faut l'en empêcher. Moi, j'ai une petite idée. C'est bon, ils sont tous prêts. Tails, tu vois quelque chose? Oui, des millions de champs, des rochers, des montagnes, des arbres. Sonic, les nouvelles goupilles résistent bien mieux et Rotor a réparé et a renforcé les catapultes. Mais leur portée est encore très limitée. Il va falloir que les bombardiers s'approchent très près de nos lignes de tir. Ah, c'est un problème. Ça y est, j'ai trouvé la solution. La lumière s'est faite dans mon esprit engourdi. Les abeilles ne peuvent pas me sentir, Sally. Oui, bien sûr, et alors? Comment ça, et alors? Et alors, que vas-tu faire? Alors, elles me poursuivront partout où j'irai, et je les conduirai à la portée de nos catapultes. Non, je vous en prie, non, ne me remerciez pas. C'est vraiment dommage, mais tu as raison. Activez le dépouilleur dans 10 secondes. Bombardier numéro 1, 10, 9. Tu as l'air d'avoir les oreilles qui chantent, petite tête. Tu ferais bien de te rafraîchir avec un petit peu d'eau glacée. Le hérisson, où est-il passé? Où est passé le hérisson? Je le cherche, excellence. Trouve-le. Je suis là, grosse cloche. Allez, passe-moi la moulinette. Je te ferai bien la conversation, mais j'ai du lait sur le feu. Activez le missile anti-hérisson. Allez, mène-toi, mon petit missile. Je commence à m'ennuyer. On a déjà été présenté. Ah, par ici, date chercheuse. Salut. Défends-moi, hérisson bombardier numéro 1, ou je te change en louvre-boîte. Attention, ne les ratez pas, voilà Sonic. Les bombardiers sont juste derrière lui. Feu! Au secours, Sonic!
pas son hérisson. Qu'est-ce que tu fais? Je veux son hérisson. Viens, la fouine. Tu as été vraiment formidable aujourd'hui. Merci. Et qu'est-ce que tu penses d'hier? Ce que je pense d'hier? Ben oui, je n'ai pas été formidable hier. Comme si comme ça. Tiens, j'entends un écho. Alors, qu'est-ce que tu as pensé d'avant-hier? Ce que j'ai pensé d'avant-hier? Ben, j'ai été formidable ou comme si comme ça? Oh, je ne me souviens pas d'avant-hier. Eh bien, moi, je m'en souviens. Et j'étais formidable.